Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bataille. On est sur du replay aujourd'hui. J'ai essayé de jouer un petit peu en dehors vu qu'on est sur difficulté de MMR, c'est un peu plus difficile. Spécialiste de vitesse pour mon adversaire pendant que je prends le spécialiste de l'approvisionnement. Je vais y arriver, pardon. Je trouve, comme d'habitude, je vous le redis, mais on ne sait jamais s'il y a des nouveaux viewers. Peut-être ça fait un peu redite, mais ça ne dure pas 3 ans non plus. Il est plutôt neutre, on a 50 fournitures, c'est pas foufou, mais on n'a pas du tout de malus au niveau des PV, au niveau de ce genre de choses, donc je prends. J'essaye de faire attention à avoir au moins un peu de chaff au début. Donc là j'avais les crocs, j'ai débloqué les rampeurs directement parce que lui il a une sacrée compo de base qui est plutôt très très bien, hein, à savoir les massues plus les crocs. Donc j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas se tromper en achetant de la chaff au premier tour. Même si on se fait ramasser, on ne peut pas vraiment se tromper. Donc voilà, je mets les phénix sur les ailes au cas où qu'ils soient très étendus du début. Chose qui n'est absolument pas le cas, donc ça fait chier, mais c'est comme ça. Je garde mes crocs comme ça au milieu parce que je me dis que ces massues, alors moi j'imagine qu'elles sont là et là, hein, il y a le brouillard de guerre normalement. Je me dis que ça prendra peut-être moins cher, mais peut-être que je me trompe complètement. Voilà. Je mets les rampeurs derrière mes tours comme ça, j'aime bien parce qu'elles sont effilées, ça ne blobe pas, ou ça se disperse plutôt. Et donc moi mon but, eh bien, c'est que ils puissent encaisser de façon individuelle les tirs des massues pour aller tirer sur le reste. Voilà. Bon, alors là, voilà, il a quand même mis des crocs derrière, hein. C'est ce que font tous les joueurs qui jouent sur un côté, ils mettent toujours une unité de chaff derrière l'autre tour pour pouvoir la protéger un minimum et qu'elle pète pas trop vite. Bon, écoutez, je pense que c'est un petit peu sans appel, je me suis fait à dépouiller. Voilà, tout simplement. Bon, c'est normal. Bon, le côté droit, attention, oulala, on a tué pas mal de chaff, hein, c'est incroyable. Non, c'est de la merde. Mais bon, c'est le premier tour, j'ai acheté de la chaff. Je pense que je peux pas trop me tromper non plus sur ça. Écoutez. Hop, ça c'est fait. Parfait. Ah, je prends cher du début. Hein. Bon, il faut redresser la barre. Et surtout, il faut se dire qu'il joue que sur un seul côté. Hein. Bon. Les atouts, qu'est-ce qu'on prend? J'ai hésité à prendre la menace souterraine, vu qu'il est quand même excentré, mais il protège. Je me dis que je vais prendre la frappe de missile, elle est gratuite, et ça va me permettre de voilà, lui péter la tronche. Ah, j'avais pas vu. Réduit le coût d'amélioration des technologies de toutes les unités de 50. Donc ça, c'est un... Comment on appelle ça? Un instant de pic, normalement. Vraiment, j'ai fait de la merde, pardon. Ben voilà, première erreur. De toute façon, je suis conscient maintenant que même mes victoires, en ce moment... Je les dois aussi aux erreurs de l'adversaire. Bon, je pense que c'est pas trop mal de le remarquer. Ça sert à rien, je me flagelle pas non plus quand je dis ça. Hein. C'est pas en mode, oh là là, je fais de la merde. Et même quand je gagne, c'est pas grâce à moi. Non, c'est pas vrai. Quand même, j'arrive à faire des choses intéressantes. Alors, j'ai mis un petit missile parce qu'il me restait pas mal. Et j'opte directement pour du faiseur d'orage. J'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Je veux tester des nouveaux trucs. De toute façon, je me fais défoncer régulièrement sur le ladder. Voilà, je veux tenter. Là, je me dis, ok, faiseur d'orage est largement le fric. Tout ce qu'il a est largement sensible au faiseur d'orage. Donc je le fais. Regardez ici. Voilà, c'est parfait. Je lui mets effectivement très très cher. Il a remis là-bas des petits trucs, des petits tanks, des petites massues. Bon, ça passe bien mieux que je pensais, je dois vous l'avouer. Le positionnement est peu orthodoxe, on est d'accord. De toute façon, notamment les gros joueurs hein, sur les dernières vidéos, même quand je m'en sors, disent qu'il y a quand même de la... Ils appellent ça de la fantaisie, mais c'est pour être poli, je pense. Je pense qu'en fait, pour eux, c'est de l'hérésie plutôt. Bah écoutez, c'est pas pour rien qu'on est à 1000-1100 MMR, hein, c'est... On est loin d'être au top, mais le but c'est quand même d'essayer tout le temps de savoir pourquoi, comment. Alors, regardons. Moi je me dis, le scorpion, c'est pratiquement sûr. Voilà. Pratiquement sûr, le scorpion, très très important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a tout massé. Et que même si j'ai commencé à investir dans le faiseur d'orage, je n'en ai que deux. Donc en deux tours, c'est revendu. Si vraiment je trouve que ça fait doublon. Le scorpion, lui, peut faire largement office de tank. Et il va déboîter tout. Voilà, tout ce qu'il a sur le plateau, le monsieur, je le déboîte avec du scorpion. En même temps, vous allez me dire, il a que deux unités. C'est vrai. Et voilà, je préfère le savoir. Je pense que lui va prendre les snipers ou la forteresse. Je me dis ça. Pourquoi sniper? Parce que en mettant la range, je pense qu'il peut se dire qu'il peut peut-être venir chercher mes faiseurs d'orage qui, faut bien le dire, lui ont éclaté la tronche le tour d'avant.
11 000 dégâts, c'est pas dégueu sur une manche 2. Hein, pas se le cacher. Voilà, donc il a bien pris les snipers, ils sont niveau 3. Bon, ça peut lui faire un peu de thune. Je me serais dit qu'il aurait peut-être pris la forteresse pour tenter. En tout cas, j'ai quand même bien réfléchi et je me suis dit qu'il était certain que je prenne le scorpion. Donc j'aurais pas été étonné de voir non plus un point de fusion. Et on va voir. Après, on va dire que ce qu'il y avait en face était quand même bien sensible à mes faiseurs d'orage et c'est le cas avec son sniper. Donc j'ai pris mon scorpion que j'ai mis ici parce qu'il renforce son flanc. Vous voyez, il a commencé tout à droite, mais en fait il renforce partout. Je lui mets des petits rampeurs pour le faire chier, il n'y a pas d'autres mots. Et je mets un petit scorpion ici pour venir chercher là. Donc là, très bien joué de sa part, balise mobile. Donc ça fait complètement. Ça sert à rien pour mes petits faiseurs d'orage. Donc là, regardez, j'ai défoncé la moitié. Hop, on avance. Donc là, mon scorpion, il est en train d'annihiler ses tanks. Peut-être que j'aurais dû inverser, mettre le niveau 2 scorpion plutôt au centre, je sais pas. En tout cas, regardez. C'est très très bon ça, son sniper ne sert à rien. Et ça y est, mes petits faiseurs d'orage récupèrent un petit peu l'aggro. Enfin je veux dire, arrête de se faire maltraiter et je pète un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà, ça va être tendu. Voilà, son sniper a défoncé mon scorpion, donc très bien joué à lui de ce côté-là. C'est assez équilibré. Bon là, il suffit que j'en ai qu'un qui attaque et puis voilà, regardez, hein, ça fond, hein, ça reste du sniper. Hop là! Et lui, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, regardez-le. Hop! Bon là, je pense que c'est gagné, les crocs ne peuvent pas non plus faire grand-chose. Le niveau 2 était peut-être pas si mal de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je me dis en fin de manche. Ok, donc ça c'est fait. Donc je reprends, je garde mon avantage que j'ai pris à la manche 2. Par contre, voilà quoi, je lui fais peut-être un 400 dégâts, c'est pas énorme. Mais à la manche 3, faut que je me calme aussi. Des fois, j'ai des ambitions un peu trop élevées, je pense. Alors. Il prend le cœur amplificateur, d'accord. Ah oui, à chaque fois je me trompe. Le prix de la mise à niveau du crawler a été réduit de 50. Et à chaque fois je lis trop vite. Je me dis, ça me coûte plus que 50 d'embaucher un petit rampeur. Non. Donc à chaque fois je suis là. Ça vaut 100. Non, c'est lorsque je vais le passer par exemple niveau 1, enfin 2, au lieu de me coûter 100, ça me coûtera 50. Donc je me suis mis à cliquer et je me suis dit, ah ouais, j'y suis bientôt, hein. Aucune XP de ce côté-là. Ici un peu, bon là c'est mieux, mais bon, c'est pas foufou. Bon, la game est serrée, faut que je fasse attention. Je sais que ça me fait chier. Faut que je décide de savoir si je mets une unité pour les obliger ou si je mets un petit missile sentry. Ça peut être l'un ou l'autre, à voir. Il rajoute un peu de chaff, hein. Il a compris que là c'est ce qui ferait peut-être un petit peu la différence. J'ai longuement hésité. Voilà, sachant qu'il a bien tech ses crocs, il y avait déjà la portée. Il enflamme aussi, donc l'unité, hein, pas le sol. Donc j'ai hésité parce que j'avais l'impression d'avoir l'avantage sur tout ce qui est chaff. Et donc vous, vous doutez bien que quand vous cramez tout le terrain, vous cramez vos unités aussi. J'ai hésité avec ça et je me suis dit que vous savez quoi, j'étais prêt à mettre les deux dessus. Même si j'en ai que deux, pour moi ça peut faire largement la diff. Et j'en ai rajouté une ici. Voilà, j'ai remis des crawlers en haut. Donc vous voyez, ça occupe deux unités ici et ici son sniper, donc c'est très bien. Petit flop de ma part, je vais vous expliquer. En fait, il a mis la portée sur ses crocs. Donc, ses crocs sont hors de portée du feu. Donc, ils s'en sortent très très bien. Écoutez, ça va. Mes crocs, pour le moment aussi, s'en sortent plutôt bien. Mais là, vous voyez, ses crocs n'avancent plus dans le feu. Donc, en gros, bah là, c'est un gros. Gros CSC, comme disent les jeunes. Hein. C'est. Je me suis fait avoir. Donc, finalement, peut-être que. Plutôt que de mettre le feu, mettre l'explosion électromagnétique qui enlève les technologies des unités aurait été meilleur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, son sniper, il a beau être niveau 3 dans les feux de l'enfer, c'est fini. Heureusement d'ailleurs. Bon, ça fait partie des games que je déteste, c'est-à-dire que je vois mes erreurs, j'arrive à arracher la manche, je fais pratiquement pas de dégâts à l'adversaire, et je sais que tout est possible, donc c'est chaud. L'augmentation de l'attaque, je ne la prends pas cette fois, je sais que j'en suis friand, je la recommande souvent, mais elle coûte très cher. Et franchement, je me dis que j'ai rien sur le terrain qui ne fait pas assez de dégâts. Rien. Tout fait absolument assez de dégâts. Pour moi. On est manche 5, directement je viens chercher l'amélioration de portée, je pense que ça peut être intéressant pour mes faiseurs d'orage, peut-être aller chercher ces crocs qui ont l'amélioration de portée aussi. J'ai directement pris l'explosion magnétique, je suis presque sûr qu'il a pris l'amélioration d'attaque. Beaucoup de joueurs la prennent à notre niveau. Je me dis que voilà, la différence, même si ça coûte 500, c'est possible.
J'essaye toujours de sortir deux unités par tour. J'hésite à utiliser la récupération de terrain pour racheter mes unités à l'arrière. Mais franchement, on pourrait croire comme ça qu'elles servent à rien. Mais ici, vous voyez, le fait que j'arrive à occuper trois de ces unités, ah, c'est pas rien. En vrai, c'est pas rien. Donc voilà, je pense bien à utiliser ma petite frappe de missile, c'est toujours ça. Il commence à venir m'aggro ici avec des crocs, donc lui il a quand même mis enflammé, hein. Donc à voir. Après, face à mon scorpion, bon. La première fois que quelqu'un t'éporte des unités derrière chez vous, et c'est pareil pour vous, vous avez un peu le temps quand même. Vous avez un peu le temps, parce que sans déconner, le temps qu'elle se TP, vous avez le temps de faire le ménage. J'ai amélioré mes faiseurs d'orage vu que je les ai tech. J'en ai quand même 3 unités maintenant. Je pense que c'est worth. Mon scorpion est toujours level 1. Donc là, vous voyez, c'était déjà fini ici. Et là, comme j'ai occupé à l'arrière, j'ai que ces crocs-là qui viennent. Donc là, regardez son sniper niveau 3. Voilà, il se fait déjà manger. Bon, mes rampeurs, en plus, ils arrivent à esquiver le feu à certains endroits. Bon, là, j'avoue qu'au niveau positionnement, c'est vraiment de la chatte de ma part. Bon, là, regardez, hein, toute sa chaff qui arrive de derrière, tout est déjà enflammé, prend très cher. Son sniper, c'est pareil. Ici, j'ai les rampeurs qui prennent l'aggro des crocs, donc autant vous dire que mon petit scorpion se fait large plaisir. Et donc, bah, finalement, j'ai quand même bien l'avantage sur cette sur cette manche. C'est pas monstrueux. Après, j'ai pas non plus des unités qui mettent beaucoup de dégâts, hein. J'ai pas des grosses unités de fou, mais c'est largement suffisant. Allez là, voilà, c'est fini. Donc là, je lui mets quand même un petit peu plus de dégâts quand même, regardez. Voilà. Sachant que j'ai mes deux scorpions, ça fait déjà 600, c'est plutôt très intéressant. Bon, on est pas mal, mais c'est loin d'être fini. Ça, c'est pas mal, faut dire ce qui est. C'est comme les technologies, hein, à force d'acheter, ça coûte, c'est vraiment cool. Je le prends. À vrai dire, quand je vois sa vie maintenant, avec du recul, je me dis que payer 200 pour ça... J'aurais peut-être dû plutôt essayer de l'achever avec d'autres unités, peut-être géantes à garder en vie, ça fait 400 dégâts. Mais je suis pas sûr qu'il faille réfléchir trop comme ça. Voilà. L'avantage de vos faiseurs d'orage, c'est que s'il vous sort une grosse unité à part l'usine, où il va mettre le fait de devoir intercepter les missiles, bah vous pouvez le défoncer assez rapidement, je trouve. Ouais, c'est mon point de vue. Bon. Ici, je colle une unité de rampeur. Alors, on peut acheter que 2 unités par tour, vous le savez. J'en mets une autre ici au cas où qui décide de me flanquer de ce côté-là aussi. Et avec l'argent qui me reste, et il me reste pas mal, je vais décider d'utiliser le répliqué, il me semble, pour pouvoir retourner contre lui son flank. C'est-à-dire que mes petits rampeurs vont venir le manger, le grailler délicatement. Voilà. J'améliore mon scorpion niveau 2, très important. Je suis pas sûr d'améliorer niveau 3 tout de suite. Ma chaff, j'augmente un petit peu. Je trouve les niveaux, je trouve que c'est important. Je l'aurais pas fait si toute ma chaff était en train de crever dans le feu. Mais apparemment, j'en ai un peu qui arrive à s'extirper. Donc c'est pas mal. Et voilà, je mets le répliqué. J'en mets une devant. Là, parce que j'ai pris de quoi améliorer une unité. Je crois qu'au dernier moment, je vais prendre l'endettement et la portée. Parce que j'ai oublié. Voilà, ce que j'avais oublié. C'est ce que je fais. Et donc là, voilà ce que je fais. Je préfère mettre la caméra ici, sans que vous voyez bien. Voilà. Donc je le mange. Et en plus, les rampeurs deviennent à moi, vu qu'ils se transforment. Lui, vous l'avez vu, il a pris les forteresses. Je suis dubitatif là-dessus. Je vois pas. Je comprends pas. Il a pris la forteresse avec le shield. Je comprends pas. J'ai des scorpions, donc je peux sortir l'acide pour plus péter ça. Et j'ai surtout des faiseurs d'orage qui lui éclatent les shields. Regardez, quand le tir est concentré là-dessus. Mais vous voyez ce qu'il prend ou pas? C'est. J'ai même pas besoin de sortir de point de fusion d'impérial ou de je ne sais quoi. Là, c'est lui là qui perd la game là-dessus quoi. Enfin la manche. Vraiment il perd là-dessus pour moi. C'est une énorme erreur de sa part. Je comprends pas pourquoi il dépense autant d'argent là-dessus. J'ai mes petits crocs qui font encore l'affaire là-dessus, sur le petit sniper. Donc en plus ces snipers ne lui ont vraiment servi à rien à part feed mon armée. Parce que quand vous défoncez un sniper de niveau 3, vous avez beaucoup d'argent quand même. Et voilà, ça se finit là-dessus. Écoutez, là pour moi, si on regarde un petit peu le champ de bataille, l'erreur vient vraiment de lui, plus qu'elle ne vient de moi. Donc, enfin, plus que la bataille vient de moi, vraiment son move forteresse, alors que j'ai des faiseurs d'orage qui ont et le feu, enfin, surtout l'explosion électromagnétique. Et vous savez, les faiseurs d'orage, c'est très fort contre les grosses unités quand les tirs sont concentrés. Effectivement, s'il avait une chaff efficace, ce qui n'est plus le cas. Voilà, mais derrière moi j'ai quand même beaucoup de solutions. J'ai des scorpions qui sont déjà niveau 2 et 3 et je peux foutre l'acide dessus. Et on sait très bien que voilà. Pourquoi j'avais fait ça?
pourquoi je les ai quand même pris? Déjà parce que c'était la solution parfaite par rapport au croc et au massue et que j'avais acheté le tour d'avant les faiseurs d'orage. Mais c'est surtout que s'il me sort une usine, moi je vais le canarder à coup d'acide. Et ça, bah, ça me permettait d'essayer de counter son counter, vous voyez? Donc voilà, c'était une game plutôt sympa. J'ai pas non plus le temps d'en faire 50, donc je vous montre aussi ce que j'ai. Bon, là c'est des victoires. Vous avez vu récemment que je vous montre aussi mes défaites. Donc voilà, je vous propose de passer directement à une seconde game. Je vous dis donc à tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde game. Donc, j'étais en train d'expliquer à cette game un petit peu le jeu à un pote. Donc, des fois, je vais mettre longtemps à faire mon tour. Je sais, j'adore tirer des balles dans le pied. J'avais donc 1053, quelque chose comme ça, de MMR. 1060. Et mon adversaire ami avait 1135. Voilà. Excusez-moi pour la game d'avant, je le mettrai dans les commentaires si j'y pense. On était en gros à 1050 tous les deux. C'était vraiment très équilibré, ce qui là n'est pas forcément le cas. Alors, dans le coin bleu, je suis ici avec l'approvisionnement à 50 fournitures par tour. Vous savez que je l'apprécie. Pour moi, c'est neutre. C'est du plus, sans malus. Et mon adversaire a pris le spécialiste aérien. Le nouveau spécialiste aérien, bon, qui maintenant n'est plus si nouveau, mais bon. Les unités aériennes ne coûtent plus rien à débloquer comme l'ancien, sauf que maintenant leur attaque est augmentée de 10% et leur PV également. Voilà, avant c'était la portée, et je dois avouer que la portée, entre la portée du spécialiste, plus la portée qu'on pouvait retrouver là, plus la portée souvent qu'on peut avoir dans les différentes unités, c'est pas mal. Bon, voilà, donc mon adversaire, il a une compo de fou, je trouve, pour un début, c'est-à-dire qu'il a de la Mustang, du Rampeur, du Sniper. Alors, il devait avoir ça, je pense. J'ai pas fait gaffe. Et il a rajouté un. Ah non, peut-être qu'il a rajouté la chaff plutôt. Donc, déjà 3 snipers, 2 chaff et petite Mustang. Pendant que de mon côté, j'avais les Phoenix que je vais garder. Hein, je vais les garder au début. Des fois, c'est vrai que c'est pas mal de les revendre. Et j'ai pris un peu de chaff. Donc voilà, je pense que je vais débloquer les crocs directement. On peut pas se tromper avec les crocs. On va voir pour être sûr. Et ouais, je vais forcément mettre un petit peu longtemps vu que je suis en train de parler. Ça va être un peu pénible peut-être. Tac, tac, tac. Ouais, j'allais dire, ça m'étonnerait que je le laisse en haut. Voilà, j'essaie de le remettre au milieu. J'ai mis mes petits phénix ici sur les côtés pour être sûr de bien tout prendre. Et puis, allons-y avec deux crocs devant. Bon, clairement, quand on voit sa compo, on se dit que je vais me faire défoncer. Il a du clear de chaff. Son clear de chaff peut péter mes phoenix, qui au début peuvent peut-être embêter certaines compos, donc c'est un peu chiant. Bon là c'est parfait, mes crocs tapent sur ses rampeurs pendant que mes rampeurs se font taper par ses mustangs, donc finalement c'est pas si mal. Ici on a, voilà, ah là 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 là. Hein. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore, nommer quelque chose mieux que le sexe. Sur Twitter par exemple, moi je mettrais cette image. Des rampeurs qui viennent, regardez, grignoter les pieds des snipers, j'adore ça. Vraiment c'est quelque chose, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas vous, mais... Bon, écoutez, je me fais défoncer, mais en vrai, je m'attendais à bien pire. Et je lui pète en premier le bâtiment, donc je suis content. Donc, encore une fois, preuve en est que bah, je sais mal peut-être anticiper les choses. On va accélérer, parce que là, faut pas déconner. Hop! Voilà. Bon, écoutez, il a gagné comme j'avais prévu, mais avec beaucoup moins de choses que ce que j'imaginais. Voilà. Allez, bon, là, directement, on a le renfort niveau 1. Donc après, il a fallu que j'explique aussi à la personne ça. Qu'est-ce que c'est que les unités gratuites, quand c'est qu'elles peuvent arriver. En plus, elles arrivent super tôt, là, manche 2. Donc bon, lui, il a pas hésité, il a pris le typhon. Moi, dans ma tête, je me dis, il va prendre les blaireaux de feu. Franchement, il a beau avoir du clear déjà, le blaireau de feu, bah, il me défonce en fait, parce que bah j'ai que de la chaff pour le moment, donc je me dis, il l'a très tôt, il en rachète un deuxième, pourquoi pas. J'imaginais pas qu'il prendrait le typhon. Moi, le spectre, j'y ai pensé, mais après, avec ses snipers, je me dis, avec de l'anti-aérien, je suis mort. Donc, je décide finalement de prendre le rhino. Voilà, petit rhino. Je mets le rhino. J'ai pas envie d'être le gars trop agressif, parce que le problème, c'est que ça marche quand vous êtes hyper agressif. Mais après, les mecs vous défoncent soit avec du point de fusion tard, soit avec de la balle d'acier si c'est protégé par de la chaff. Et vous pouvez aussi tout simplement vous faire hacker. Voilà, j'ai déjà vécu avec des gens qui disent quand vous le revendez, mais où est passé mon rhino? Ça va, ça va. Il a de la chance que je ne sais pas mieux jouer. Non, non, mais moi, franchement, ça me fatigue. Ça me fait quelque chose.
Mon armée, quand elle se fait pirater, je trouve ça, c'est immonde. Voilà. Moi, je dis, les mecs qui font ça doivent prendre une douche après. Après, ce que j'ai apprécié le faire, moi, ouais, malheureusement, je peux comprendre. Donc, finalement, je tente ça. Voilà. Alors, est-ce que je fais le malin parce que j'explique à un pote le jeu? Peut-être. Bon, écoutez, je mets le rhino ici parce que je me dis que je peux aller chercher la tour assez facilement plus tard avec une balise mobile. Et je mets un peu de chaff devant. Voilà, je vois qu'à haut niveau, quand ils flanquent, ils n'hésitent pas à mettre un peu de chaff. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Je lui ai directement mis le tourbillon. Voilà. Alors, je sais que c'est pas bien de mettre le tourbillon tout de suite. Pourquoi? Eh bien, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est parce que je n'ai qu'une unité. Je n'ai qu'un rhino et j'investis dans de la technologie. Donc, c'est pas fou en réalité. Mais là, regardez-moi ça, ce flanc. Ce flanc, regardez, oh là 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 là, j'adore ça. Ça, j'adore ça. Alors, mon flanc gauche se fait exploser, mais mon flanc droit gagnant avant son flanc gauche, eh bien, c'est un petit peu tout gratos pour moi, quoi. Regardez, je vais manger son sniper. Bon. Voilà, quoi. C'est compliqué. Il va réussir à me tuer ma tour. Donc, je me fais IUM à mon tour, mais j'ai quand même un gros rhino. Bon. Des petits phénix derrière. Vu ce qui reste, la question c'est est-ce que ça va le faire? Aïe aïe aïe, tout ça vaut pari, regardez-moi ça. La charge du rhino. Bam! Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment abusé, hein. En vrai, un rhino level 2 seulement, c'est vraiment abusé au niveau des PV, au niveau de ce qu'il peut tanker. Bon, écoutez, je reprends la main. Manche 2, je vous avoue que je suis étonné. Donc encore une fois, faut pas faire genre ouais, c'est trop bien. Non, faut se dire si t'es étonné, c'est qu'encore une fois, t'as mal imaginé le rapport de force. Bon, par contre, là, je vous le dis directement, son pic typhon, je le comprends pas. Alors oui, vous allez dire bah oui, mais toi, t'allais dire blaireau de feu, typhon, c'est la même chose, c'est du clair de chaff, sauf qu'il peut aussi faire les unités aériennes. Ouais, mais je trouve ça bizarre qu'il l'excentre totalement. Déjà, vous voyez, moi j'aurais vu peut-être un truc plus là, ou alors un ici et en racheter un là. Ça protège un petit peu ses snipers. Plus tard, il peut remettre de la chaff devant. Je trouve ça étonnant. Bon, là, je suis en train d'expliquer. Alors, on a, voilà, on a ça. La bombe incendiaire ne me dit pas forcément tout de suite. L'émission de photons, je trouve ça plutôt cool. Et passer, tout simplement, passer me paraît très très bien aussi. Voilà. Je crois que je vais passer, hein. Ah mais là c'est ça mon problème, voilà, je passe. Donc là je sais pas. La technologie est bien sûr en trop, parce que je n'en ai qu'un Rhino. Là-dessus on est d'accord, cependant il a quand même fait le taf. Et je me dis j'ai que deux unités en deux tours, je peux les revendre, notamment le Rhino, ce serait pas dégueu au niveau de ce qu'il me coûte. Bon j'ai quand même dépensé 150 ou 250 dans la technologie, donc c'est peut-être un peu bête. Et ce que je sais pas faire c'est maintenir la pression grâce à un flank. Donc je me dis, écoutez, pourquoi pas tenter? En plus, je suis en train d'expliquer le jeu, à voir. Bon, malheureusement, 13 secondes, j'ai tout mon pognon, je suis en train d'expliquer le jeu, je fais n'importe quoi. Bon, allez, je mets un petit rhino que je mets au milieu, je remets un petit peu ici tout ce qui va être un petit croc pour pouvoir étendre ma ligne. Et j'achète directement l'attaque et la défense. Je pense que pour mon rhino, c'est pas mal. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'il m'a concocté? Ok, il m'a concocté un petit phénix, voilà, un petit rush phénix. Sauf que bah regardez, ça marche, hein, mais c'est pas foufou. Je m'attendais à mieux. Et regardez là, le rhino du début fonctionne bien. À gauche, je perds, mais je le maintiens. Le problème là, c'est que ce flanc gauche, il ne me l'enfonce pas. Le gros problème qu'il a, c'est ça. Voilà, sa source de DPS là. Regardez mon petit rhino quoi. Je lui pète sa tour au meilleur moment. Regardez, j'ai plus de vie. Et en fait, grâce à l'IEM, ça me permet d'aller au bout. Donc là, j'ai eu un peu de chance sur les timings, mais en même temps, le positionnement est bon. Et encore une fois, c'est pas pour faire genre le mec blasé, humble ou quoi. Là, il m'a plus fait gagner que je n'ai gagné la manche. Voilà, tout simplement. Le rhino au milieu était pas dégueu. Continuer d'étendre mon flanc gauche, ok. Mais lui, sachant que moi, j'enfonce son flanc droit avec mon flanking, il aurait peut-être dû faire autre chose. Après, on est d'accord qu'il a beaucoup investi ici pour me défoncer mon rhino. Bon. Là, je me dis. Ça fait deux tours, c'est peut-être un peu compliqué. Ok, j'avais pas vu qu'il avait pris ça. Vous voyez, pendant la game, je pense pas souvent à regarder. En plus, là, j'étais en train d'expliquer. Moi, je vais vous expliquer. J'hésite entre ça. C'est un peu gratos. Ça, c'est toujours bon, mais 200 pour 4 manches, sachant qu'on est que manche 4, c'est. Je sais pas. Donc voilà, je passe. J'essaie de gagner un maximum d'argent. Et je réfléchis. Je réfléchis entre le fait de devoir upgrade mes unités. On arrive bientôt au manche 5. Donc là, il faut surtout pas que je m'endette. C'est un peu trop tôt. Je me dis que je peux peut-être rajouter ici un petit croc. Et en même temps, je vois ça. Je me dis, est-ce que la pression, je pourrais pas la maintenir ici ou là?
ou pourquoi pas les deux à terme. Souvent, à haut level, je vois ça. C'est-à-dire que quand ils flanquent, c'est pas dire qu'ils mettent toutes leurs unités ici après. Ça veut dire qu'ils attirent un petit peu les unités parce qu'ils ont un plan bien établi. Et ça peut passer par ça. Ça peut passer par ça. Voilà. Mustang. Pourquoi Mustang? À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de clear de chaff à part Merino qui tourbillole. Mais Merino, je sais qu'au bout d'un moment, il finira par trouver la solution. Donc déjà, je suis pas forcément sûr de les garder, mais c'est surtout que je me dis que j'ai pas d'anti-aérien vraiment, j'ai mes petits crocs quoi, donc bon, oui, j'ai mes phoenix, mais à voir. Donc je prends un petit peu de Mustang pour péter un petit peu ces phoenix, donc je décide de me mettre là, j'hésite à me mettre vraiment, je sais pas où exactement. Et en même temps, je me dis que s'il veut partir, je ne sais pas, guêpe ou autre, j'ai déjà des Mustangs, et puis moi j'ai pas grand-chose pour clear tout ce qui est rampeur et tout, pour moi il doit rajouter de la chaff, donc voilà. Donc là, tout se déroule comme d'habitude. Ici, j'ai mon Rhino qui tient. Regardez, c'est parfait. Ici, regardez, parfait, ces petits rampeurs. Ici, je mange. Je mange bien à la cantine. Et cette fois, vous avez vu, bah, ça tient. Ça tient. Là, il a remis enfin des typhons, mais je pense que c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Il se débarrasse enfin de mon Rhino, sauf que j'ai les Mustangs qui arrivent sur les Phoenix. Donc, je suis plutôt content. C'était le but. Mon flanc gauche qui ne tient pas. Mais mon mid qui tient largement et mon flanc droit tenant tellement bien que regardez ici comment ça counter longtemps. Je les maintiens en fait, je ne gagne pas, mais en les occupant assez longtemps, bah ça fait la game quoi. Regardez ces petits rampeurs là. Voilà, donc là, bah lui il doit me détruire ma tour, sauf qu'il est occupé à détruire ma tour, sachant qu'il est UM. J'ai quand même des phoenix qui font des bons dégâts, c'est fini pour lui. Souvent, hein, c'est quelque chose que je vois dans des parties un peu plus haut. C'est qu'ils arrivent vraiment à enfoncer un côté. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on me l'avait recommandé, notamment des gars de la 101ème très très haut. Vaut mieux enfoncer un côté et le gérer, plutôt que de vouloir tout gérer partout et finalement ne gagner nulle part. Donc ça, je l'ai bien retenu. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut flanquer à chaque fois. Juste là, moi je suis pas à l'aise avec ça, j'ai voulu tenter. Bon, pour l'instant, ça me réussit, on va voir. Mais je pense que c'est pas dégueu. Peut-être que ça, j'aurais pu le mettre un peu plus près. Pour pouvoir taper sur ces phoenix plus vite. On va pas se le cacher. Donc là, je passe directement de mon côté. Qu'est-ce qu'il prend lui? Il a passé. Alors, tout de suite, je peux déjà faire une analyse. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas missile la gueule ici. S'il me missile la gueule ici. Je perds mes rampeurs, mais en plus mon Rhino, il est ralenti. Il est tout ralenti. Donc là, je comprends pas pourquoi il ne fait pas ça. Franchement, pour lui, ça serait quand même beaucoup plus simple. J'essaye d'améliorer un petit peu mes crocs au niveau de leur niveau, parce que bah, je me dis que peut-être je vais filer le bouclier. À chaque fois, j'en suis pas loin, mais je ne le fais pas. Voilà. Ici, j'ai le 2 de défense, parce que j'ai paniqué la manche d'avant. À force d'expliquer, j'ai pas dépensé mon fric et je savais pas quoi faire, donc je suis vite allé là, j'ai dépensé 300. Franchement, je vois rarement des mecs aller jusque-là, même à haut niveau, des fois, ils font même pas ça. Donc, ou alors dans des circonstances particulières, comme le fait de quand ils ont déjà le spécialiste qui donne plus d'armure, ils rajoutent ça. Donc, à voir. Et là, voilà. Donc, je flanque ici, je flanque là et je décide de bourriner ici. Encore avec de la chaff et des Mustangs. Comme ça, je me dis que s'il finit par mettre des missiles, il pourra pas en mettre partout. Vous voyez? Bon, regardez à gauche. Ça se passe pas si mal. Je tiens. Au milieu, bah, c'est nickel. Ça tient complètement. Là, à droite, regardez. Ces Phoenix n'arrivent toujours pas à péter. Ne sont pas la solution alors qu'il a énormément dépensé là-dedans. Donc écoutez, voilà. Hein, ça reste un bon tank. Il a investi dans les bubules, mais ça n'a pas l'air vraiment de fonctionner. Et encore une fois, il se passe la même chose depuis 3 manches. J'enfonce son flanc droit, j'enfonce le mid, et donc à gauche, surtout, je maintiens. Vous imaginez s'il m'avait enfoncé à gauche et qu'il avait déjà pété ce bâtiment? Ça change tout, hein. Surtout avec ses typhons. Bon, là, franchement, c'est un peu sans équivoque. Voilà, là, je commence à lui faire quand même extrêmement mal, même si c'est des unités qui coûtent pas beaucoup. Je lui ai mis 1100, c'est quand même toujours ça. Donc, par contre là, je suis conscient que la game peut se retourner, notamment avec du flanking, je trouve que c'est quand même de temps en temps assez compliqué. Alors, là, moi, je ne sais pas ce qu'il prend. J'explique justement à mon pote qu'il a tout intérêt à prendre le Vulcain pour pouvoir tout me cramer ici, à le positionner de façon intelligente pour cramer ici, cramer là et cramer là. Les Mustangs sont totalement sensibles au Vulcain, ou alors je me dis, il va prendre le point de fusion pour éclater mon Rhino.
Il a pris le point de fusion. Je ne comprends pas pourquoi il l'a placé ici. Alors je dis pas de le placer devant. Et pourquoi il le place pas quand même par là? Il peut remettre un peu de chaff. Et surtout, il me met un putain de missile. Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il me met pas un missile? Il y avait le spécialiste qui lui augmentait le dégât des missiles, je comprends pas. C'est pour ça que j'ai hésité à mettre ça là, parce que je sais pas au niveau de la range, ça j'ai jamais trop compris les missiles. Des fois ça vous pète 3 packs d'unités qui sont collés, des fois ça s'arrête, je sais pas. Donc bon, écoutez, là je suis un peu dubitatif. Un petit peu dubitatif. Moi, j'ai pas choisi. Donc je me dis que je peux peut-être en finir en prenant les billes d'acier. Parce que je sais que la game peut se retourner, en tout cas je pars toujours de ce principe-là. Et je me dis, il est peut-être temps de rush. Il est peut-être temps de rush et de lui montrer ce que c'est que vraiment d'enfoncer un flanc droit. Surtout s'il a pris un Vulcain, je me dis, il y a moyen, les balles d'acier elles sont déjà niveau 3. Je les tech directement, je mets de la chaff devant avec les rampeurs qui viennent se répliquer. Donc en fait, plus il mange, plus il y en a. Je me dis que ça peut être peut-être une bonne idée. Écoutez, on teste. Testons. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est rajouter une petite tourelle pour éviter les missiles justement sur mes balles d'acier. Le tour prochain, je le ferai pas, j'ai oublié, je préfère vous le dire. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous à savoir. Une petite missile qui va intercepter le missile Sentry. Et c'est quelque chose qui va rester la game d'après. Bon, là, vous voyez, il a éclaté mon Rhino, mais est-ce qu'il a vraiment gagné beaucoup de temps? J'ai pas l'impression, hein. J'ai énormément de rampeurs qui sont devant. Et là, regardez la concave. Non mais regardez-moi cette concave avec les balles d'acier. Regardez mes balles d'acier, ce qu'elles mettent au point de fusion. Et en plus, elles se soignent. Regardez là, j'ai mis aussi le fait qu'il rampe sous terre. Oh là, c'est catastrophique pour lui. Et là, mon flanc gauche qui a encore tenu avec 3 fois rien. C'est surtout ça le problème. Voilà, on mange bien la cantine. Alors là, on lui met très 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 cher. Et voilà, il reste 101 points de vie, comme la 101e. Est-ce que c'est un signe, je ne sais pas. Non, je suis dégoûté. Je suis plein de superstitions des fois, vous savez. Non, je me suis dit, quand on laisse un ennemi comme ça, ça sent pas bon. Bon, on va pas se déconcentrer pour autant. Là, je pars du principe que j'ai de quoi encaisser quand même. Il a pas non plus 50 000 unités géantes. Je pars du principe que je peux encaisser largement une manche de défaite, bien qu'il faut faire attention. Je voulais pas montrer, hein, mais maintenant, je suis quand même vachement plus sensible à cela, à savoir bien prendre du recrutement massif, souvent m'endetter et mettre une portée améliorée à partir de la manche 5. Voilà. Donc mon Rhino il est niveau 2, je pense qu'il fait le taf. Ici j'ai toujours ça. Donc là ce que j'aurais dû faire c'est mettre une petite tourelle, vous voyez, petit intercepteur ici. Et ici et là peut-être pour intercepter parce que là s'il me pète mon pack, il me pète mon pack quoi. Alors niveau 3 je suis pas sûr, mais bon. Ici je me dis ça suffit. Il ne veut pas renfoncer son flanc gauche, eh bien moi je vais lui montrer ce que ça fait. Donc en fait je décide de rusher. Je me dis que si là il arrive à gérer son flanc droit, parce que depuis tout à l'heure il y met quand même beaucoup d'ardeur, on est manche 7, il en a gagné qu'une. Bon, je me dis il va peut-être finir par trouver une solution. Donc, eh bien écoutez, vous savez quoi? Moi je vais aller à gauche et je vais l'enfoncer. Bon, il a revendu son point de fusion. Ah, je comprends pas le move. Le point de fusion, ça peut être fort hein, contre les balles d'acier si il a la portée, s'il est bien en fond de ligne et qu'il a de la chaff devant. Il l'a revendu, il a pris l'impérial. De dire bah oui, l'impérial c'est pas une mauvaise idée. Bon. Moi je tech mes Mustangs pour qu'elles fassent toujours plus de dégâts, comme si je l'avais senti. Parce que du coup, les Mustangs peuvent être intéressants contre les impériaux. Alors pas contre une armée d'impériaux. Mais bon. Donc là, regardez à gauche. Attendez, je vais essayer de faire ça pour que vous voyez. Des fois, c'est vrai que j'ai tendance à. Je vous laisse. Regardez le champ de bataille. Voyez à gauche. Je vous montre sur l'écran. Hein. Voyez à gauche. En plus, c'est là. Vous voyez à gauche, voilà, non seulement ça tient, mais en plus ça commence à l'enfoncer son plan. Donc là, regardez, hein, c'est son photon, hein, fait toute la diff. Regardez des crocs qui tuent des impériaux. Non, mais s'il vous plaît, bien sûr, promotion, promotion des crocs. Bon, voilà, finalement, c'est plutôt bien joué. Alors là, c'était deux games gagnées. Bon, bah après, c'est le jeu, hein. Les deux games que j'ai fait d'affilée ont été gagnées. La dernière fois, je vous ai montré des games perdues. C'est le jeu aussi. Je pense qu'il y a à apprendre autant dans l'une que dans l'autre, même si des fois on se dit que c'est plus facile d'apprendre dans la défaite. Mais ici, vraiment, je suis quand même content. Et on va dire, je suis fier de mes moves, parce que j'ai quand même tenu le flanking, moi qui ne le fais jamais. Donc là, vraiment, je l'ai asphyxié, parce que j'ai ici, là, et encore là. Et il y a eu d'abord ce petit régiment, puis ensuite j'ai sorti les balles d'acier au bon moment. Bon, je suis plutôt content.
Après, je suis tout à fait conscient que j'ai pas fait le PGM de fou. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas contré plus facilement ici. Rien qu'avec un missile sentry. Quand on voit l'argent qu'il a dépensé, notamment sur les Phoenix. Ah oui, ça je voulais pas montrer. Le tir électromagnétique, c'était bien vu. Je pense qu'il voulait faire chier mon Rhino pour qu'il arrête de tourbillol. Bon, ça se comprend tout à fait, parce que c'est vrai que en clear de chaff, j'ai pris les Mustangs qui m'ont bien aidé, mais je sais même pas si j'avais besoin de prendre les Mustangs. Enfin, vous vous rendez compte, il ne m'a pas donné assez de problèmes pour ça. Donc je suis aussi conscient que mon adversaire a aussi mal joué. Ça ne veut pas dire que j'aurais forcément perdu, mais en tout cas, le flanking, il aurait pu le gérer bien mieux, quoi. Bon, après, c'est le jeu, hein. Je vous ai déjà montré des games où moi aussi, on se rappelle, hein, mon flanc ici était abusé parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit like. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi en commentaire. Je suis conscient qu'il y a plein de choses à améliorer et il n'y a pas de problème pour que je les prenne en compte. Du moment que c'est constructif, on peut tout entendre. N'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher un petit commentaire également sur la game. Ce que vous auriez fait de plus ou de moins. Et même ceux qui sont plus dans la masse silencieuse, regardez, il y a vraiment de très bons joueurs qui viennent commenter. On les remercie parce que leurs commentaires sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas à checker la section commentaires. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine bataille. Allez, ciao!